Capage TV. Capage TV. Intérim, il y a madame Fifi Masuka. Et je suis bien que intérim. Intérim. Madame, soyons, pour être très sincère, rien ne marche au loi là-bas. Tout ce qu'on est en train de vous montrer à la télévision, ce sont des bricolages. Donc, bah, salama kamboumoko pour na ko aveugler Kinshasa. Au moment où je vous parle, ils ont envoyé beaucoup de communicateurs ici pour parler d'elle. Envoyer des gens partout pour parler de toi, aveugler la population, montrer que vraiment nazo sala. Mais ce que l'andeli ba makambwana, ao salama na été, ça je vous l'ai dit, ao salama na été. Dans ses objectifs, ça je l'ai dit, madame Masuka a toujours voulu être la femme la plus riche du Congo. Vous avez des preuves. Moi, je vous l'ai dit. Elle a toujours voulu être la femme la plus riche du Congo. Elle n'a jamais été votée. Oui. La personne qui a été votée, c'est le gouverneur Mouyesh. Mais là, nous sommes en train de voir comme si elle est devenue super gouverneur. Namonde Mobimba na monate gouverneur aux autres tambours à la garde républicain et ça les magaté. Or que selon loi, selon constitution, beaucoup qui ont maître gouverneur en accusation T, tant qu'il a apporté un moyen de défense T, il faut qu'il ait apporté un moyen de défense à expliquer. Bon, Bolobaki Naibaki, c'est un exemple, Naibaki 50 dollars. Naibaki 50 dollars, ça va. Dites-moi, je viens vous expliquer, avec les 50 dollars, j'avais fait ça, 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 ça et ça. Si vous vous rendez compte que na se défendre bien T, là vous avez le plein droit de faire quoi? De me destituer. Mais cela ne signifie pas que ce qui population et la mouka quitté pour ça, la marche de soutien pour le gouverneur, pour gouverneur Azonga, c'est-à-dire population Nyonso et ça pour madame Masuka. C'est pas ça. C'est une population qui est pacifique. Donc, Balingaka, Bazala na bango na kimia. Mais biloko yo bazala na ngona mtema de boebite. Mais ça nous étonnerait aujourd'hui si madame Masuka est là, en train de jurer. Mouyej Azongate. Souci naé, madame Masuka là est prête de dire aujourd'hui, même si on l'a demandé qu'elle tue son enfant pour qu'elle reste à ce poste-là, elle va le faire. Je vous l'ai dit. Oui, mais il a fait quelque chose. Vous avez vu ça. Mais elle, qu'elle nous montre ce qu'elle a eu à faire pendant si c'est 10 mois, si c'est 11 mois. Elle est en train de piller la province. Comment se fait-il quelqu'un avec qui tu travailles? Jusque pour, parce que tu te retrouves devant opportunité, Mokoboé, directement, il faut sacrifier. Afunda qui est, c'est pourquoi ma cambonion soit Ezali. Donc, Afunda qui Mouyej, pour dire, elle est opportuniste. Mouyej, c'est vrai, il a été mis en accusation. Mais jusque-là, on n'a pas encore confirmé qu'il n'est plus gouverneur. Le mal avec la dame-là, elle ne veut pas qu'on parle de Mouyej. Présentez vos fringues et soyez bien chaussés. Ambiance. Hôtel Club Santé, qu'elle ne sait au Limbosso. Écoute, 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 écoute,
Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090, +243 82 25 27 31, ou encore au +61 420 513 456, situé à Kinshasa au numéro 5/A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Capage Télévision, bienvenue chez nous. En tout cas, on va parler de la province de Lualaba. On va parler en long et en large avec notre invité qui est là. On sera bilingue. Il va être vraiment bilingue pour la facilité de la communication. Merci à la grande équipe technique de Capage Télévision, en tout cas. On en revient ici dans Capage Télévision. Désormais, on va vers les élections en 2023 et on va encore plonger à la voie politique pour faire comprendre et analyser par rapport à la vie sociale, par rapport à la communauté congolaise, par rapport à nos abonnés qui aiment avoir des nouvelles de Kinshasa. On sera là pour vous informer. Et pour aujourd'hui, on a parmi nous un titulaire parmi le GEN, les encadreurs de GEN dans la province de Lualaba. Il s'agit bien de M. Daniel Chikinz. J'ai bien prononcé le nom, c'est M. Daniel Chikinz, voilà. Il est parmi nous, ensemble avec lui, on va faire un débat sur la province de Lualaba, mais on va parler de tout sauf rien, mais on sera focus sur la province de Lualaba. Je présente mon invité qui est là déjà. Bonjour et bienvenue, monsieur. Merci, Daniel. Merci, maman Capache. Et bienvenue dans Capache Télévision. Hein. Merci, je me sens à l'aise parce que je suis devant quelqu'un qui est talentueux. Vraiment. Je vous suis sur les réseaux sociaux. Merci. Comme j'ai été honoré aujourd'hui de passer dans votre mission. Merci. J'ai les réels plaisirs. Ok. Comment vous trouvez notre capitale de Kinshasa? Parce que vous êtes beaucoup pris dans la province de Lualaba. Depuis quand vous êtes ici à Kinshasa? Bon, là, ça fait presque... ça fait une semaine parce que je vais... Seulement une semaine? Bon, je viens ici souvent, presque chaque mois. Ok, vous êtes en cheval entre Lualaba et Kinshasa. Lualaba, Kinshasa. Voilà. Mais Nicolo Nazao, pour quelques temps, peut-être la semaine prochaine encore, je serai dans ma province. Oui. Et là, on a une monie spéciale dans le sol de la navette entre Kinshasa et la province de Lualaba. Bon, et là, on a une spéciale dans Kolobake. Bakino ba inspiré nga eloko moko ya Kolobake biso ba katangé katangé Lualabé, donc les Lualaba et dans les Katanga, donc tout ça kanaka morgueil hein morgueil en façon Kolobake. Je ne peux pas me rabaisser pour faire quelque chose. Ok. Mais je sens qu'à Kinshasa il y a l'esprit d'entrepreneuriat. Motoroko sala quelque chose pour qu'il trouve aussi nini akoki olia. Donc là, ça me plaît déjà. Ça montre qu'il y a l'esprit d'entrepreneuriat à Kinshasa. Mais là-bas, vous avez l'esprit de... Non, j'ai beaucoup étudié, je ne peux pas faire tel ou tel business, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon,
Chez nous, beaucoup dépend des entreprises minières. Hein. Okay. Vous voyez, il y a des entreprises minières. Il y a peu de jeunes qui pensent à l'entrepreneuriat, mais beaucoup de jeunes pensent à ce qu'ils soient engagés dans des entreprises. Vous voyez. Mais la différence avec Kinshasa est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, mais les jeunes font quand même le tout pour se débrouiller d'une façon ou d'une autre. Là, ça me plaît. Et parmi tant d'autres Congolais qui résident en Lualaba, la province de Lualaba, parce que j'ai été à Lubumbashi quelques mois passés, je vis différence, c'est là qui moi ma kasi. Il y avait vraiment la différence entre ba Congolais ou ba Botamikuna na ba Congolais ou ba Zoya Koya. Différence ni o lisusozo sala entre comportement ya ba o ba Zoya. Bon, moi je peux dire, le peuple Katangé d'abord est un peuple pacifique. C'est un peuple qui est là pour accueillir tout le monde. Mais c'est un peuple qui n'aime pas que Motoa ya na mentalité, peut-être Mokoboé a imposé. C'est pourquoi j'avais dit au début que les Katangé ont un peu de l'orgueil là, de dire que le monde est là. Mais c'est un peuple pacifique qui partage avec tout le monde, qui n'est pas un peu trop tribaliste, mais ils ne veulent pas que quelqu'un aille à s'imposer, donc à Matabango Ligolo. C'est ça le problème avec les Katangé. Mais sinon, nous sommes pacifiques, nous parlons avec tout le monde, nous sommes bien avec tout le monde. Ok, on va faire une parenthèse sur ça, et voilà. Tout le monde a été dit que maman a été dit que la province de Lualaba. En tant que jeune citoyen congolais, pourquoi au Lingaki, au Sala vraiment, au quatre mingi plus sur la jeunesse Kuna? Et donc, on a eu Salaka, et puis l'activité de Yosanango, la base de Lualaba. Bon, c'est depuis 2013 que je suis en train de servir la jeunesse, donc 2013. Nous avons un mouvement Moko et Abba Jeunes, nous avons dénommé Jeunes pour le développement dans le leadership et business. Okay. Donc, nous avons initié Jeunes pour entreprendre. Okay. C'était en 2013. Nous avons organisé une foire, maire de la ville à Kalaya qui a inauguré, qui donc nous avons une activité qui toko et pas dans le. Après là, j'ai été dans un ligue des jeunes, ligue là, donc une ONG, Ligue des initiatives pour le développement durable, pour un monsieur Pascal, je ne sais pas présentement s'il vit ou je ne sais pas maintenant. Et c'est après qu'il y a eu un mouvement là, l'Union nationale des nouveaux majeurs. C'est depuis 2015 qu'on a commencé avec ce mouvement là. C'est un mouvement apolitique. On a commencé à encadrer le jeune, donc le jeune qui aspire à être de majeur. Donc les jeunes, par exemple, pendant cette période, qui seront enrôlés pour la première fois pour participer aux élections. Ce sont les jeunes qu'on était en train d'encadrer, les préparer aux élections, les expliquer, naba élection, comment est-ce qu'il faut voter, qui voter. Et surtout que peut-être na batangwakala au début des élections batobando que na batomson boye ba pesi ba tout pour voter. Maintenant il fallait inculquer ba valeur wana na mitu ya ba jeune ba ebake malgré ba pesi yo Thomson, s'il s'agit de voter, il faut que je vote pour une personne o ya na ba projet à bien. Thomson ba ki o pesa na lien na ngai, mais je ne suis pas obligé de voter la personne. Donc on était en train de les encadrer. Par exemple, quand on avait publié la loi électorale, on était obligé de les sensibiliser, donc de sensibiliser les jeunes. J'ai effectué des voyages même en brousse pour sensibiliser les jeunes, les faire voir c'est quoi la loi électorale. Quand il y a eu le calendrier électoral, on a fait, donc nous sommes comme ça, on était en train d'accompagner la CENI. Mais par là, nous sommes en politique. Mais il y a des politiciens qui voyaient déjà, vu la mobilisation, ce qu'on était en train de faire, on partageait aussi les idées avec eux. On peut inviter un politicien à y aller, tout nier ma question sur, par exemple, les enjeux politiques, ce qui est en train de se passer. Il nous explique ce qui est en train de se passer. Okay. Il nous explique aussi sa vision. Par exemple, pendant la période de campagne, on était en train d'inviter tous les politiciens candidats. On invite les candidats, par exemple les députés, ils viennent, ils participent dans nos manifestations, ils expliquent sa vision. Et par là, on ne va pas imposer à ces jeunes-là qui va voter Moutoutel. Okay. Mais du fait qu'il va expliquer ses projets, ce qu'il envisage, il envisage faire, si les jeunes se rendent compte que non, les choses qu'ils viennent de dire là, il faut tout essayer de voir. Donc c'était comme ça, le mouvement existe jusqu'alors.
chez nous, on me connaît dans ça parce que je fais ça. Et je suis un mobilisateur de masse dans les domaines pareils parce que je mobilisais même 5 000, 10 000 jeunes pour participer à de telles manifestations. Ok, c'est bien. Je pense chez nous, si vous partez, vous citez seulement les noms de Daniel Chikin. Mm-hmm. On sait très bien que dans Zalakana mouvement, il y a un nouveau majeur. Tu présentes qui est candidat et Liboson à Bango. Mais je n'avais pas imposé à qui que ce soit pour dire tu vas voter pour toi. Moi, Polo, moi, 5 000, moi, Nini. Bon. Et pas aucune mobilisation. Et moi, Loko, les arrêtés. Bon, mobilisation, je peux dire, il y avait la mobilisation pour dire un politicien vient participer pour. Il donne aussi de l'argent. Donner de l'argent pour qu'on vote par lui, pour lui, je peux dire non. Mm-hmm. Là, je peux dire non. Par exemple, il y a des politiciens qui venaient participer dans des manifestations. Okay. S'ils se rendent compte que vous avez effectué distance Moko Moulaï pour la manifestation en question, ils peuvent laisser un petit transport pour que les gens payent des bus. Là, ce n'est pas mauvais. Mm. Mais dire que. Corrompre, là, non. Et imposer à ces jeunes-là. Ouais. En aucun jour, on vous dira que moi, j'avais fait la campagne, j'avais dit à ces jeunes-là qui ont voté pour tel. Je ne l'avais pas fait. Mm-hmm. Quand bien même que je suis proche du gouverneur Mouyège, je travaille, on l'invitait trop dans des manifestations, mais en aucun jour, je les avais dit de voter pour lui. Mm. S'il y a eu des jeunes qui ont voté pour le gouverneur Mouyège, c'est-à-dire ils ont vu ce qui est le cas de ça, là, donc, on va dire que c'est à zone de sous, de sorte qu'il a continué. Ok. Donc, quand on va rapidement faire l'actualité à gouverneur Mouyège, il y a une carte à Kinshasa pour quel but et puis absence dans la province de Lualaba et affecté moi qui est province de Lualaba. Moi, qui était affecté beaucoup plus. Comment? La population du Lualaba. Gouverneur Azanet Mutoyo. Gouverneur Mouyège, on est Mutoyo, par exemple, vous êtes en famille. Bandi Aye, c'est un exemple, je donne l'exemple d'un bandit, hein. C'est un exemple. Aye, à Botolibino Mouana Kiminae, Boebi, à Salaki Nini, à Salaki Loko Nini, directement, donc, Botolibino Loko Mokwa Mutuya Bakienango. C'est ce que le Lualaba est en train de vivre. Ok. Donc, le gouverneur Mouyège a été invité à Kinshasa. Mm-hmm. Si je ne m'abuse, c'était un certain 18 décembre. Il a été invité à Kinshasa sur l'appel de la hiérarchie. Ouais. Il était ici. Juste après, il y a eu conférence des gouverneurs. Il a participé dans la conférence des gouverneurs. Après conférence des gouverneurs, à Belaki, à Bando Yokabiente. Juste après, évacué qui est parce que cas il qui vraiment très grave, je peux dire très grave. Il a été évacué en Afrique du Sud où il est parti poursuivre ses soins médicaux. Awa avant Abima, Baloba qui est président de la République Motosala Kinini, à Bengaki, il fallait ailleurs répondre à l'invitation. Tangwa qui est Ikuna, à Sali, Bamboula et Bélé, Bamwa et Bélé. Il fallait vraiment maintenant à Zonga. À Zongia, Bayambi et Mokonziamboka, Ayambi était. Et après, enquête à IGF Balobike a détourné qui bambongo, banini, banini. Après, tant que boé, il fallait à Zonga, les sous-sous, en Afrique du Sud pour un contrôle, un check-up. Médical, ouais. À Zongi, au moment où je vous parle, il est en Afrique du Sud. Ok. Maintenant, du fait qu'il y a en Afrique du Sud, qu'on a déjà profité, on a assemblé, en accusation. Or que selon loi, selon constitution, beaucoup qui ont mettre gouverneur en accusation tant qu'il a apporté un moyen de défense il faut qu'il ait apporté un moyen de défense à expliquer. Bon, Bolobaki Naïba qui c'est un exemple, Naïba qui $50. Naïba qui $50, ça va. Dites-moi, je viens vous expliquer, avec les $50, j'avais fait ça, 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 ça et ça. Si vous vous rendez compte que se défendre bien là vous avez le plein droit de faire quoi? De me destituer. Mais les députés se sont arrangés comme c'était déjà une complicité depuis longtemps, depuis quand il était malade, depuis quand il était ici à Kinshasa, puisqu'il y a eu beaucoup d'accusations de la part de sa vice-gouverneur. Donc, Ayeawa, Baiba Kekuna, Basali, Bama Kamion, surtout, Ba destitué. En tant que citoyen congolais, il ne s'est pas limité là. Il a fait aussi ses démarches pour dire donc, il fallait. Avec les preuves. Bon, avec les preuves, il a fait ses démarches, il a demandé à la. Donc, il a introduit son. C'est quoi on appelle ça les recours.
au Conseil d'État et autres pour qu'on puisse revoir la décision. C'est ce qu'on est en train d'attendre jusqu'à présent. Là, ouais. Maintenant, on ne sait pas la jusque décision. Jusque-là, il est en Afrique du Sud. Okay. On ne sait pas la décision sera comment. Mais dans tout ça, ce que moi je peux dire, ça je vais demander au président de la République. Les lois là-bas, c'est une province très fragile. C'est une province pacifique. C'est une province qui n'est pas aux habitués dans la manifestation, par exemple, manifestation des désordre. Chez nous, aux lois là-bas, hein, si, exemple, Moko, Babalobi, qui est Mokonziaza, tel, les gens sont là pour la Mokonzi, mais ils ont été d'accord. Okay. C'est ça chez nous. Mais donc, une façon, côté, il faut que ceux qui ont bon côté. Non, une façon de dire, nous chez nous, il n'y a jamais eu de manifestation où il y a un gaz lacrymogène, comme ça, où il y a un bête à Massassi, où il y a un kobanga, où il y a un kobanga, où il y a un kobanga, où il y a un gaz, où il y a un lacrymogène. Mais cela ne signifie pas que ceux qui population et la mouka qui était pour la marche de soutien. Pour le gouverneur, pour le gouverneur Azonga, c'est-à-dire population Nyonso, et ça pour Madame Masuka, c'est pas ça. C'est une population qui est pacifique. Donc, Balingaka, Bazala na bango na kimia, mais biloko yo Bazala na na mtema de boebite. Mais intérim ya Madame Fifi Masuka. Et ça, ça m'a bien été, ton intérim. Madame, soyons, pour être très sincère, rien ne marche au loi là-bas. Tout ce qu'on est en train de vous montrer à la télévision, ce sont des bricolages. Donc, Kinshasa. Au moment où je vous parle, ils ont envoyé beaucoup de communicateurs ici pour parler d'elle. Vraiment, si tu te sens que tu ne te reproches de rien dans des choses qu'on est en train de t'accuser, pourquoi tu peux être agité? Envoyer des gens partout pour parler de toi, aveugler la population, montrer que vraiment nazo sala. Mais ce que l'andeli ba makambwana, au sala na été, ça je vous l'ai dit, au sala na été. Makamunyo se yo ya ba ya construction na loi là bas et estopa. Estopa ba grand projet estopa. Je vous l'ai dit. Et ça, le projet Moussousou, il y a déjà un plan quinquennal, gouverneur a signé qui. Mais il y a supposé, par exemple, aux un contrat na Moutoutel. Il y a un projet wana a un contrat na Moutoumoussousou. Donc, le projet pas kaka ya gouverneur. Mais une façon de faire, il y a un contrat, on a poépé, a gagné ba mbongo. Pour dire, Madame Masuka est en train de faire du business. Dans ses objectifs, ça je l'ai dit, Madame Masuka a toujours voulu être la femme la plus riche du Congo. Vous avez des preuves? Moi, je vous l'ai dit. Elle a toujours voulu être la femme la plus riche du Congo. C'est pourquoi tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est une façon d'aveugler juste la population. Et dans tout ça, la population se demande comment est-ce qu'elle peut être soutenue par Kinshasa? Comment? Elle est soutenue par Kinshasa, mais pas tout le monde, je peux dire. Mais moi je ne pense pas. Elle est soutenue par Kinshasa dans la sorte dans le contexte Nini. Président de la République, je ne pense pas que quelqu'un comme le président de la République Fachi peut soutenir de telles bêtises. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Moutounet Jamar Kaboum a pu soutenir Makambaboy. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Augustin Kabouya a pu soutenir Makambaboy. Donc ils en ont battu Moussousou. Oyo ba lingi ba se faire comme étant, je peux dire, notable Katangé, je suis influent de ce côté-là. Moi aussi, nazana ba intérêt nanga côté wana, c'est mieux to utiliser le kola marionnette to banda kolia. Mais côté wana ba intérêt za la ka ebele, côté wana ba bataille la ba intérêt ezali ebele. Kuna eza makambo ba mine. Mine yo sala ke mtu azwa mbongo mbangu ebele na mbala moko. Mais oyebeke ba kongole o bazali awa ba yebaka mingi pete makambo ya ba mine ya kuna. Bato ebele ba yebaka te. Bato ebele. Ebele ba yebaka te. Presque ebele ba yebaka te. Parce que na sola na bato ebele. Bato ebele baza na Kinshasa ba yebi makambo ele ka même. Kuna mbongo ezali. Mbongo ezali. Mene eza na bato oyo. Na uto tanga batu wa valeur, batu neti Fachi, batu neti ba Jamar Kabundu, ba Kabuya. Na makambwana peto baza ba innocent. Eza na entourage ya president, batu mususu. Oyo ba osa la ke,
balinga ye azala babanda ko lia babanda ko frapper. Mais ils oublient que ça joue de la réélection du président de la République. Pour dire vrai, Madame Asuka ne pèse pas politiquement. Moi, je serais d'accord si on est en train de la maintenir pour garder leurs intérêts. Là, je suis d'accord. Elle était qui avant de faire l'intérim? Elle était vice-gouverneure. Ok. Du gouverneur Mouyès. D'ailleurs, la police. Mais elle n'a jamais été votée. Oui. La personne qui a été votée, c'est le gouverneur Mouyès. Mais là, nous sommes en train de voir comme si elle est devenue super gouverneur. Namonde Mobimba, Namonate, gouverneur, Oazo Tambo, Nabagarde, républicain. Et ça, les magatés. Et ça, les magatés. Mais le gouverneur, il y a un peu de temps pour la police. Mais il y a Oazo Tambo, Nabagarde, républicain, ça nous étonne. Comment quelqu'un se dit être populaire, mais Azo Banga population, Azo Tambo, Nabagarde, républicain, ça ne s'explique pas. Pour dire, Aza, d'abord, popularité. Des deux, Aza n'a, je peux dire, Aza n'a poids politique. C'est vrai, Aza n'a parti politique. Est-ce que vous avez un poids politique, parce que vous avez un intérim, il y a province locale là-bas. C'est ce que je vous dis. Bayaki comme commissaire spéciaux pendant la période où on a été nommé. Et puis, tant que tu as élection, tu as gouverneur. Azaki colitière, il y a gouverneur. Donc, tu as voté qui mouillait, tu as voté qui était. Et puis, candidature, tu as voté et posé qui problème. Comment tu as voté tribunal, tu samba qui pour bandima et pour Azaki moto moto à. Il y a parti Moussou Mazaki colissière, Bazoua qui est comme colissière, et Mouyage, Babi Soyo, Ngao Nazolo Bao, Nassensibiza qui Bajan et Bele, Topola qui n'a pas à moi, il y a Yamboula. Pour soutenir la candidature, naye. Mais ça nous étonnerait aujourd'hui si Madame Masuka est là, en train de jurer que Mouyage a zongaté. Souci, naye, Madame Masuka là est prête de dire aujourd'hui, même si on l'a demandé qu'elle tue son enfant pour qu'elle reste à ce poste-là, elle va le faire. Je vous l'ai dit, elle va le faire, même si on l'a demandé de tuer son enfant pour qu'elle reste à ce poste-là. Pour qu'elle ne réagisse pas. Moi, crise, il y a ingratitude ou... Ingratitude, Ezali na kati. Moutema mabe, Ezali na kati. Moutema mabe, Ezali na kati. Pour moutenir, ce sont les places, les moussous, alia kakaka. Le quoi, il y a, comme il y a tour à Madame Fifi, bakati bino mo kolia, bakati bino pompe. Loin de là. Comme moi, ma tata. Loin de là, madame. Moi, je peux dire, madame Masuka, avec ceux qui sont en train de dire qu'il a fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont intérêt à. Il y a peuple. Tout ça qui ont intérêt à peuple. Ceux qui ont été dans la loi là-bas, le président de la République qui a été dans la loi là-bas, il n'y aura pas de pavillon présidentiel. Il n'y aura pas de bâtiment et belé. Et il y aura pas de bâtiment au mouillage à Tongaki. C'est mieux que. Nasengayo oya opesanga eloko moko ke opesanga eloko te. Attention, il y a un mouillage à Ibaki. Oui, mais il a fait quelque chose. Vous avez vu ça. Mais elle, qu'elle nous montre ce qu'elle a eu à faire pendant si c'est 10 mois, si c'est 11 mois. C'est elle peu. Est en train de piller la province, venir avec mais l'argent. 10 mois, c'est peu. Là, c'est pas peu, madame. Oui. Je connais bien les lois là-bas. Oui, je connais les lois là-bas. Il y a beaucoup d'argent. Ok. Dans 10 mois. Aux autres teams de sa population. Dans 10 mois, il y a, il y a beaucoup de recettes. Donc, okay. Elle peut faire quelque chose de consistant. Ok. Mais jusqu'à là, après jusqu'à le départ là, de... Jusqu'à là, Madoussou, na Madoussou, Vanini, Baba... Le gouverneur, Ataïloko, Morote, Salami. Baba, Banzela, Oyo, Salami. Aussi, au moment où tu es un jeune, Baba, Bandi, Basali, Baba, entreprise à bricolage, Basali, Baba, comme une place, Baba, Bandeli. Nzela, Moko, Salami, ce qui est 5 mois. C'est ça, faire des réalisations. Donc, elle est en train de faire les aventures. Si Madame Masuka est là, donc, pour moi, peut-être être en train de garder juste les intérêts de quelques individus. Et faire, donc, pendant ce moment, elle ne fait que corrompre. On a un cas qui journaliste, moi, qui en télévision, qui est, nous autres, on a eu là-bas, mais l'esprit, on a eu Kinshasa. C'est ça. Donc, ceux qui attendent les lots, ceux qui ont un bureau, ils ont dit, Mouyen Jalinga Zong, a comme agité. C'est pourquoi j'ai dit, elle est prête même de sacrifier son fils pour que Mouyen ne rentre pas. Elle est prête. Je parlais du poids politique. Mm-hmm. Madame Masuka ne pèse pas politiquement. Comment? Madame Masuka, telle qu'elle est là, c'est vrai, elle a un parti politique que moi, je n'ai pas. Moi, j'ai une structure de jeunes avec d'autres structures qui font quoi, qui m'entourent. Donc, j'ai des regroupements avec moi. C'est vrai, Oyo Salaé qui est un poids, azan a mbongo, azan a parti politique. Mais n'a pas ce que peut signer un mbongo. Je vais faire de même. Et bon, dès que le soir, le bic et le cause, le loba mingi boye, Daniel Aya a travaillé dans le bisso, après, c'est le dépôt, il y a la rana. Bon. Au trahir, t'es.
le problème, je vais expliquer. Moi, je ne suis pas contre Madame Masuka. Voilà. Je suis contre sa gestion et contre sa façon de faire les choses. Comment se fait-il quelqu'un avec qui tu travailles, jusque pour, parce que tu te retrouves devant opportunité, Mokoboé, directement, il faut sacrifier. Afunda qui est, c'est pourquoi ma kambonyon soye zali. Donc, Afunda qui mouyège. Pour dire, elle est opportuniste. Je peux vous donner un exemple. Moi, je soutenais un candidat FCC aux élections de 2018. Donc, je soutenais Mouyège. Mais à la présidentielle, là, je l'avoue, peut-être Batobaye va rater. N'a voté pour Chadarité. N'a voté pour Chadarité. Pourquoi je n'avais pas voté pour Chadarité? À cause de Madame Masuka. Comment? Pendant la période des élections, Madame Masuka, la campagne au Lualaba n'était pas coordonnée. Normalement, les coordonnateurs des FCC au Lualaba, c'était Mouyège. Donc, c'est lui qui devait coordonner. Mais elle, telle qu'elle était là, elle était déjà en train de dire aux gens que ce qui Chadar à l'équi, Nani Narosala gouverneur, Mouyège à Kolongo. Vous voyez? Maintenant, avec ça, moi qui soutenais la vision du gouverneur Mouyège, je n'allais pas être d'accord avec Chadar parce qu'elle, déjà, elle était en train de dire ça. Donc, Oya Sali, période à Félix et Kamui Sibi Soto. Mais formation à la Nyon, ce besoin, on ne peut pas battre, on va faire tout autour, il y a pas de moko. Je vous ai dit, je vous ai dit, je suis un leader, je sais de quoi je parle. Oui, mais madame Fifi, quand même, à Sali, bon, ben, quand vous êtes Madika, par réhabilité, exemple. Par exemple, à Outsosali, sa semaine, congolaise de tourisme, semaine congolaise de tourisme, ma diplomate. Je parle de l'avenir Manika. Ouais. L'avenir Manika, c'est vrai, moi j'ai étudié à Ukweli. J'ai étudié à Ukweli. Là, au Pahaï, c'est vrai, l'avenir là n'était pas asphalté. Ouais. Pour ça, j'ai dit, je la félicite, parce que j'ai dit, nous ne sommes pas ennemis. Je ne suis pas contre Madame Masuka, mais je suis contre sa gestion. Mais pour l'avenir Manika là, qu'elle a eu à réhabiliter, je la félicite parce qu'elle a pris même une entreprise sérieuse qui est Safricas. Ils ont fait un très bon travail. Là, je ne la tiens pas rigueur. Vous m'avez parlé de la semaine du tourisme. La semaine du tourisme, je peux dire à 100%, ils ont eu même 40%. Comment? Ça n'a pas réussi. Il y a eu des gens qu'elle a fait venir de Kinshasa. Oyoba. Bazalaki bien logé, par exemple. Bazalaki bien logé. L'organisation est bien logée, elle va bien encadrée. Les choses n'étaient pas bien organisées. Les premiers ministres n'étaient pas venus. Pas seulement ça, c'est vrai, le premier ministre avait délégué quelqu'un. Ouais. Mais je vous dis, sur le plan organisationnel, échec moko ya makasi ezalaki. Ce qui a osé ébeler 40%, là, je suis d'accord. Parce qu'il y a même un journaliste, Oyazaki Pekuna, participa qui, dans le bité, qui est Injabo Magie, tant qu'on a zonga, qui a participé dans la semaine à tourisme, tant qu'on a zonga, qui a koufa, qui journaliste moko boye. Il y a peut-être a participé dans la conférence, non? Peut-être Azalaki est malade, peut-être Azalaki est malade, peut-être peut-être Nito ébité. Mais je ne confirme pas. Moi, ce que je peux dire. Donc, je peux la donner 40%. Visite, il y a chantier à Tchata. Tchata. Ce sont des avenirs qu'il est en train de réaliser avec des entreprises, des aventuriers, des personnes qui sont en train de faire des choses. Donc, Babandi, et puis, Komi Place Mogo Boye, Zongeli, chantier Mogo Kyozola, Kokozoata, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Katakokombe, maintenant, c'est là où il y a à boire et à manger. Katakokombe, c'est dans les plans quinquennales du gouverneur Richard Mouyège Manguez-Mars. C'est un projet Sopeco, ensemble avec Ungungandu. Donc, c'est un projet Sopeco auquel gouvernement, il ne fallait pas à débloquer Mbongo na Epoïsa la Balabala Wana. Donc, il fallait Mbongo ya ba péage et Fouta Balabala Wana. Donc, Mbongo ya ba péage, ba ndokata pour na cofinancer Balabala Wana. Moto Alansa qui a Moto Alobela qui a Ngo est gouverneur Mouyège. Jour à l'activité, la continuité de l'État, mais oui, elle veut faire contre, elle veut s'approprier des choses. C'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord. Elle veut s'approprier des choses comme si c'est elle qui a initié qui va projet Wana. Mouyège, c'est vrai, il a été mis en accusation. Mais jusque-là, on n'a pas encore confirmé qu'il n'est plus gouverneur. Le mal avec la dame là, elle ne veut pas qu'on parle de Mouyège.
Elle veut effacer Mouyej à tout prix. Or, qu'on lui a laissé si c'est 10 mois, elle n'a pas su effacer Mouyej sur la scène. Mouyej qui n'a jamais parlé depuis qu'il était parti en Afrique. Il n'a jamais parlé, il ne s'est jamais prononcé. Il a juste une armée numérique très forte là. Comme Bino. Oh, bah, on défendre sur encore. Les réseaux sociaux et les autres. Et elle ne saura pas l'effacer comme ça. C'est impossible. Hein. Quand même, Mouyej, Centre-INPP. Centre-INPP, c'est un projet qui date, de longtemps, je vous dis. C'est un projet qui date de longtemps. Ungun Gandula, c'est l'avenir dont je vous parlais, l'avenir avec une entreprise là, des aventuriers, qui a commencé il y a longtemps. La route donc, de Mazembe. Depuis qu'elle a commencé l'intérimaire, jusqu'au moment où je vous parle, nous sommes là, nous sommes là. Bazalaka, Babandi, Bakomi na Souka, Bazongeli Souka, Souka, dans mon population, ça a l'impression, Bakomi tina niveau Kotumba, Bangin, Pobako Sake, Batomouyej, Batumbi. Donc, Kazaboe, guerre à Makassi. Azana qui tape na Kolami Kolo. Madame Azana est distraite. Le temps de travailler, elle est en train de penser. D'ailleurs, elle est en train de se distraire pour rien. On est à se focaliser dans ça là. Est-ce que Mouyej peut, est-ce que Mouyej a raison à la place naie? Est-ce qu'il y a une élection où il y a calamité à Touro, à Ozalaka, à électeur ébélé? Maman, Mouyej a zan à ba électeur ébélé. Na lo ba kamikolo nyonso, ba ko sabino te soki, ba tu ba monaki, mokolo président de la République, ayaki na loa laba, ba yamaki e ba tu ébélé. Ba ko sabino te ke, ba to ba yaki, ko yamba mokonzi amboka, ba zab nyonso d'accord na mokonzi amboka te. Il faut quelqu'un qui a l'esprit managérial qui peut parvenir à convaincre cette population à accepter Fatshi comme président de la République. Et la personne qui est capable de convaincre cette population-là, c'est Mouyej. Ils étaient à deux. Il n'y avait que deux leaders. Mouyej et le Feu Kouvas. L'autre est décédé. C'est Mouyej qui est resté. Madame Masuka n'a jamais eu de poids politique. Là, je suis en train d'insister sur ça. En termes de, si je peux dire, sur 100 kilos, Mouyej peut peser 75 kilos, Madame Masuka peut peser 40. Mais c'est normal. Mais moi, je peux peser 35. Mais c'est normal. Donc, moi et Madame Masuka, c'est normal. Tu as vraiment un écart marqué. Mais Mouyej a oublié les places où on a eu la tactique et belé, malgré qu'il y a sa fils. Maintenant, le problème qui est là, madame, vous vous reconnaissez, non? Vous vous reconnaissez, non? Que Azan expérience a oublié les places où on a. Mais elle ne veut pas reconnaître ça. Elle oublie que Mouyej fille. Premier ministre de l'Intérieur, Mouyej, elle oublie tout ça pour elle, elle cherche à effacer Mouyej, mais chose qu'elle ne saura pas. Par contre, elle est en train de se créer une guerre là qui fera en sorte que même pendant ma élection, Batobaz à la opposition, Bandima Fachite. Or que pendant ce moment, il fallait chercher Pézala. Population Kozala, d'accord, Ndengi, population Elingi, Baela Bango Mouyej, hein, na assemblée. En Afrique du Sud, Bayana est dans l'assemblée, Basambisae. Ceux qui appellent si moyen de défense, c'est Balobake, appellent si n'aie pas moyen de défense, c'est comme ça, tout ça, Nini, Tolongole, ou en population, tout ça, Nini, et qu'on dit, mais n'a pas complicité au bout de ça, la Bossali Biloko, ça, Moutoisa, là, Moutoisa, t'es donc, ça sent de quoi, de la complicité. Il y a un bon c'est pourquoi, il y a pas poteau, Anna, je vous dis, madame, il y a un bon canamika, projet Wana est pour coûter 250 millions pour la province. Poto Oyo, entrepreneur à ta local à Kokyo Sala. Mais Bango Bakio a signé le contrat Wana là-bas 5 000 $ par poto. Mais sur Internet, j'ai vu un activiste des droits de l'homme qui a dit que ça coûte 200 $. Bon, donc vous voyez que vous me donnez raison quand je disais que Mme Masuka cherche à être la femme la plus riche de la RDC. Député pour dire député basé en complicité moko ma casse dengue bazawana donc bayo kanaki balobi to koi samuyej poto kabola ba poste yo kozala tel yo kozala tel yo kozala tel bamso bazoki bambongo bamso bazoki bambongo pona ko décision en tant que jeune leader au azali ko vanda penda au azana kati ya politique nenge pena lo lenge pena mboko ezo kendele est-ce que lobby to kozala penda kaka bientôt ko to on ko kendele on kana bulu ye ko tozo kendele si on a à la tête de province voilà. Avec des personnes comme les madame Masuka mboko obongate kaka d'abord yo muto bon, moi d'abord j'ai dit la personne comme hein? C'est une personne qui incarne d'abord l'incompétence. Ça, je vous l'ai dit.
Si les gens ont su de situer Maweja à cause de l'incompétence, qu'on les fasse aussi pour Madame Massab, avec Madame Masuka. Puisque c'est une personne... Madame, je peux vous donner un exemple. Mm-hmm. Par exemple, il y a eu le problème de grève, de la grève là chez nous. Là. Les élèves, bah, ça là qui bah, marche, bah, qui sont sous le gouvernorat. Devant bah élève à coca qui qu'on convaincre bah élève t bah élève bah au crier mouillage mouillage toi regarde mouillage aujourd'hui quand il y a que bah devant bah élève comment le là bas élève bah parole manque trop dur nous quand on était élève tu vois non c'est qu'on s'est comporté bon mais bah ban amitié à combien plus fort la population au bazar mikolo. Il y a une chose que je peux vous dire, je ne suis pas tribaliste hein, mais je peux vous le dire, au Katanga il y a un problème. Et ce problème-là, il y a une guerre, je dis bien, c'est un exemple. Il y a une guerre qui était entre Katangi et Kassaïn. Et cette guerre-là, ça demande des leaders, de personnes qui peuvent faire comprendre à la population qu'un Kassaïn, c'est notre frère. Même s'il est en train de diriger, il faut l'accepter, c'est notre frère. Et de telles personnes sont des personnes comme les Mouyesh. Il y a d'autres choses. Au Katanga, il y a des gens qui pensent que les partis comme l'UDPS, c'est un parti des Kassaïens. Hein? C'est un exemple que je suis en train de vous donner. Mm-hmm. Il faut des personnes comme le Mouyej qu'il soit là, que c'est un seulement parti de personnes, j'ai dit bien, de personnes comme lui, okay. Qui peuvent dire, exemple. Qui peuvent dire l'UDPS, c'est pour tout le monde. Et les gens, moi je peux convaincre. Ouais. Moi je peux convaincre. Mais Madame Masuka n'a pas l'art de convaincre. Madame Masuka n'a pas l'art de convaincre. Si d'abord les petits enfants, elle n'a pas su les convaincre concernant la grève. À combien plus fort convaincre toute une population pour qu'ils puissent choisir Mouyej Konani. Moi je vais le faire montrer des choses. Parce que je voyage normalement dans mes frais. Je suis ici dans mes frais. Je loge dans mes frais. A continué le développement. Je suis très d'accord. Mais ça, c'est incompétente. Madame, C'est l'erreur grave. Je vous dis, si Madame Masuka sera à la tête de la province jusqu'aux élections. Bon, Madame, Bengi Sanga après bas résultat, Yebi Sanga Fachi a zoaki combien dans l'Olaba. S'il aura beaucoup de voix, ça sera peut-être 200 000 voix. Puisque elle-même, Madame Masuka, avait eu 8 000 voix aux élections. Pour dire, elle ne saura convaincre personne. Elle ne saura convaincre personne. Alors avec tout ça, le mieux serait que Mouyej abimana nanini abimana province nandenge moko bien aux populations peut condimer lobby ah donc Mouyej azamabe comme ça akende totika nanani na madame Masuka wana population condimaye nandenge moko bien. OK, mais nandenge wa boété. OK, merci en tout cas monsieur David d'être passé donc à Page Télévision. Un message clé pour finir notre débat d'aujourd'hui. Bon, le message clé que je peux donner, moi je m'adresse beaucoup plus au président de la République. Oui. Les garants des bons fonctionnements. Et je vais m'adresser encore au président Kabounds et Augustin Kabouya. Babunda qui pendant bamboula moko ebele pour na pouvoir na bango. Bandi maté mutoa bima n'importe où, azana est opportuniste, aya koko sakabatu, aya ko pesa kabatu bambongo pour maintenir rien na pouvoir. Pouvoir ezaya bino. Bon sala le tout bo batela yango. Bon dimanche bo kende na ba élection na loi là bana ba conflit aux alliés, vous allez perdre. Vous n'aurez pas de gens. Donc ba sala le tout ba silisa makambo. Madame Masuka est déjà na poche moko ya ba conflit aux alliés. Donc soyez botique na à la tête ya province. Ba tumususu oyo ba lingi ete ba ko voter pour Fachite.
Alors le mieux serait soit d'arranger bazonga ensemble ba sala, soit balongo la épé. Ça ça sera la meilleure solution. Soit batia mutu mususu. OK. Ça sera une très bonne chose. OK. Merci d'être passé sur Capage Télévision, vous serez toujours le bienvenu sur nos plateaux. Merci Arsène Maëla, merci à la grande équipe technique de Capage Télévision. Bana lola bagnon sur la piscine bambote naza sur nos arana pour un reportage. Ngana sa la fina micro baladeur. Non linga population eloba. Diemo repé monsieur David na sur ozala kuna. Par monsieur Daniel, monsieur Daniel a ozala kuna. Excusez-moi, monsieur Daniel a ozala kuna. Naza sur to ozala wana, to sa la pena mission monde to sa la pena que population sur te na katikati. Naza pré. OK. Ozala. En tout cas, merci en tout cas. Congo eza bisonyo son. Mutu a salama po ozala ka na kati ya Congo yemoko. La preuve est que ma condition est que je suis photo de mise en garde. Je suis prochaine, au revoir. Merci. Tu vas poser ta chocoté. Bisous, tu vas poser ta chocoté. Oh, la baba, tu vas faire une pembe. Ok, mouindou, olingimouindou. Rue de beauté, aébissinga, nazara, place l'autre. Zaka, wana, zaka, wana. Zaka, wana. Pourquoi tu n'as pas posé tes lingas qui est au salinga bien de singa rite? Bato, batou, nanga, pakola, nini, ozo, pakola, nini, mikolo, nazar. Donc depuis la hôtesse Sida, faut monter qu'on a yindi, mais na yindi t'es na pestis au chocolat. Donc c'est ça va produire du beauté. Ce qu'on savon noir quoi. Savon noir est ça pour na ba ba moi mi soupe bata mouindouti. Ah ba mouindou ça la grande zone longo ça ça savon noir ni qui est oui. Donc ça savon noir pour se ressaler l'ango et longo la babilo kouana. OK. Pour nourrir pauvre. Et nourrir pauvre. Voilà. Bah au bazar va moins que ma boumou et ça la moins dengue bater l'ango y a rite beauté zali. OK. On va nourrir l'ango chaque soir. OK. Bateau au bazar na ba bouton belé 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 ça la on mange ça la kawana mange jarre. Oui, ça pour nos boutons. Oui, ça pour nos nduta. Vous avez un banduta, vous consultez Kapachula, vous consultez Malika Mania, vous avez un produit. Et vous avez un produit. 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 C'est nous qui avons tué le côté de la lèvre, et ça, la lèvre est là-bas. Bon, les papiers. Encore. Bon, les papiers. Voilà. Côté. Parce que même ma gêne est belle, ma quartier, oh bah comment bien de ma bimbo, aux une côte à Pepsoda. Pepsoda, ils disent qu'ils sont bien, on va prendre ça, les bapotes. Oh yo, on va prendre ça, les bapotes. Oh yo, Elsa. Beaucoup pas pour l'amour, n'a pas fesse, n'a eu n'a pas quatre, n'a mis sur la fesse, n'est-ce pas au socoli? N'est-ce pas dans ma journée? Mais ça, vous n'avez pas intimité. Ma fille à ma poitrine, ma fille à ma poitrine. Yamine et ma casse dans le bonjour à votre saline en mobo benga. Poitrine, oh mon bal, n'a pas mis ça dans son entier au tonao. Solonine, oh yo, mes sentiers mon bal. C'est ça! Solonine, il faut que tu aies. Na katika te vani ni moni ba lèvre na mabiso asi. Ok. Oti ango bene di koro na mwana. Ok. Eza na inconvenient. Inconvenient exacte parce que eza naturel. Surtout pour na bolingo. Pour ma fille est belle ma linga bolingo. Ma fille est belle oh mon arrière mon bali remorquage na mon mon asta koka ba mon côté. Il faut le. Oh asta koka deux fois. C'est. Tant tout papa yoka goûter. C'est ça. Ma bébé a rite beauté yango et tout ça na déjà na marché. Oh, elles ont besoin de contacter Kapachula ou contacter Josman Yamalika pour recevoir un produit. Bah, numéro la bisoka, bah, voilà. Oh, bah, numéro la biso. Mais tu retiens pas le numéro la biso. Papa, au redé Zouyango, est-ce que Biloko est en train de se yaki? C'est
Coco te les awa. Mbote na biso. Mbote. Maman kapache. Yo posa. Ana wa gadezo. Na conteneur. Na conteneur ba carreau ya chantier. Ba yebi singa série za wa makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo. Pona kozwa yango eza facile. Ko bosa na te oredezo. Ezapi na flat hotel. Bino ba tubovona kalibana mboka. Polala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa, bon ça, bon ça, livraison à domicile. Nanda kuna yo. Na ba petit koni. Ba ekotike la yo. Fresh ezali. Bino moko boyoki. Soki monike na famille bozala kana bata ma baby loke bunga ka pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bako zwa ba kekotike na yo tina porte ndako. Oredezo soko yakate kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour tous vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contacter Oredezo okozwa biloko na yo nengo timbi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamu, derrière la maison de la Bible. Et au numéro 44 de l'avenue Baoumbou dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemins de Petite Fontaine. 91-180 Britney sur Orge. Maman Capache, au redézo, frappe n'allé, frappe n'a retour. Maman, m'arrive pas, j'ai dit. Maman, Zala, vous faites au moins la paix à Zala, vous faites au moins la paix. Tout le monde est à 2021, va à Junior sur la maman, au lit. Ma basket, ma sondage, des zéros à qui? Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs, et autres accessoires de qualité, pas cher, pour toute la famille, découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavubu, à Rekwado, dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 07 58 832. Plus 243 99 99 25 124. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Loukou Beni Daniel Service Construite SRL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Loukou Beni Daniel Service Construite SRL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Loukou Beni Daniel Service Construite SRL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de La Gombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au plus 243 85 12 52 330. Loukou Beni Daniel Service Construite SRL,
une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Capage TV. Capage TV.